les deux favoris de cette course. William Buick pour Charlie Appleby, qui a déjà gagné groupe 1 aujourd'hui en Allemagne. Ryan Moore sur Order of Australia. Et voici le japonais, Pat Ratley. Les plus beaux 1600 mètres de l'année, le prix du Haras de Fresnay-le-Buffard, Jacques Lemarois avec le japonais Batrat Leon qui a pris le meilleur départ à l'image de Order of Australia qui vient à son extérieur alors que le numéro 4 State of Rest est en troisième position et vient notamment devant le numéro 8 Prosperous Voyage. Il y a Light Infantry qui pour l'instant est cinquième, Inspiral patientant, léger retrait avec Erevan qui est dans son sillage avec Joe Français, Kazakh Bleuclair qui est en avant-dernière position. Quant au favori britannique, le gagnant des 2000 Guinées, Corobeus, il est pour le moment en dernière position. Toujours le japonais qui a le meilleur se calant le long de la corde. Il a à son extérieur Order of Australia alors qu'il y a en troisième position le numéro 4 State of Rest. À l'extérieur, c'est le 8 Prosperous Voyage. Inspiral se rapprochant un peu avec Frankie Lettori devant Erevan alors que Corobeus se tente maintenant de se rapprocher en dehors. Joe Français toujours à l'arrière-garde avec Light Infantry alors que Batrat Leon vient côté corde. Il y a Order of Australia qui a lancé le sprint de loin. Prosperous Voyage progressant à l'extérieur avec State of Rest qui est là. Light Infantry qui tente de refaire du terrain avec Inspiral, avec Erevan également. Et Corobeus qui maintenant progresse complètement dehors. Corobeus de mieux en mieux en dehors. Inspiral qui se défend bien. Erevan est en troisième position. Light Infantry est en quatrième position. Inspiral de mieux en mieux. Erevan est lancé maintenant par Christophe Soumillon. Light Infantry qui réagit maintenant à 100 mètres du but. Inspiral avec Erevan accompagné par Light Infantry qui maintenant est de plus en plus fort à l'intérieur. C'est Inspiral qui va triompher. Deuxième place est à voir entre Light Infantry et Erevan. Inspiral qui s'impose encore une fois dans un groupe 1 de haute lutte. Erevan est venu très vite à son extérieur, mais doit se contenter d'un accessit, un magnifique accessit, mais est tombé sur plus fort avec la pouliche qui s'impose. La deuxième place est disputée entre le numéro 7 Light Infantry et le numéro 5 Erevan. Favori, Corobeus est battu. Oui, c'est vrai que je pensais que Frankie allait marquer plutôt Corobeus et c'était le contraire. Hein. Corobeus a marqué la pouliche Inspiral. Ouais, bon, voilà, aujourd'hui, elle était vraiment très courageuse. Hein. Là, tout d'un coup, elle a lancé à peu près.